au-dessus du bassin tous les jours, puisque sinon on se retrouverait à la mer. Et le but n'est pas d'arriver jusqu'aux États-Unis. Ceci étant dit, il y a des pilotes de temps en temps qui tentent la traversée du bassin. Je peux citer notamment Patricia Lamy qui avait essayé mais qui a malheureusement dû renoncer suite à quelques incidents techniques avant le décollage. Mais nous restons toujours optimistes et qui sait, d'ici quelques mois, d'ici un an peut-être, on traversera le bassin d'Arcachon en ballon.